Beau matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 18 septembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Mais avant de commencer, la petite philosophie du matin, n'est-ce pas? Cette belle pensée positive, eh bien, pour être heureux chaque jour. Et aujourd'hui, eh bien, pour ce 18 septembre, profitez d'un passage à vide. On a le droit de se décourager. On a le droit de baisser les bras dans un moment de lassitude ou de fatigue. À condition que cet état ne dure pas. Un passage à vide, eh bien, peut servir à recharger ses batteries. On peut se décourager, mais certainement pas renoncer. Waouh ! Belle pensée, n'est-ce pas ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé la prêtresse. Alors, la prêtresse, elle représente, eh bien, l'équilibre entre les différentes polarités, c'est-à-dire les deux polarités, féminine et masculine, entre l'ombre et la lumière. Regardez un petit peu, hier je pigeais l'ombre et aujourd'hui, eh bien, je pige la prêtresse. Elle symbolise l'harmonie intérieure et extérieure. Elle invite, n'est-ce pas, à trouver l'équilibre entre l'intuition et la raison. Il y a un effet de pardon, n'est-ce pas, la prêtresse, le pardon, la protection. Elle représente aussi la patience, la prêtresse. Elle représente aussi l'harmonie. La prêtresse, eh bien, elle nous invite à nous plonger profondément à l'intérieur de nous-mêmes, à explorer ainsi, eh bien, tous les recoins les plus sombres de notre être et à trouver la force de pardonner tant à nous-mêmes qu'aux autres. Elle rappelle, eh bien, que le pardon n'est pas un acte de faiblesse, n'est-ce pas ? Mais il est plutôt une démonstration de force intérieure et de libération émotionnelle. Elle encourage également, eh bien, à l'exploration de notre féminité et l'expression de notre pouvoir féminin, qui sont source de créativité, d'intuition et de compassion. Lorsqu'on parle du pardon, je le dis souvent, n'est-ce pas, dans mes capsules, on ne pardonne pas pour l'autre, on pardonne pour soi-même, pour qu'on allège ce qui nous allège cette rancœur, cette colère que nous avons en nous. C'est juste pour nous que nous le faisons. Ne l'oubliez pas. Alors, est-ce que vous avez posé votre question? Je vous laisse quelques instants pour poser votre question. Bien. Eh bien, la réponse est non. La prêtresse peut indiquer que le moment n'est pas encore venu pour certaines choses. Certaines choses que vous aimeriez que concrétiser. Eh bien non, ce n'est pas encore venu le moment pour certaines choses de se concrétiser. Il vous faut avoir un peu de patience. La prêtresse représente aussi la patience, n'est-ce pas? Donc c'est, si vous êtes trop impatiente, c'est un travail que vous devez faire sur vous. C'est une distorsion que vous pouvez,
eh bien, changer, n'est-ce pas, cette partie sombre, l'impatience, et cette partie lumière, la patience. Faites confiance au timing divin de l'univers et soyez patient. Tout se déroulera au moment opportun et selon un plan plus vaste. Connectez-vous, eh bien, à votre intuition et faites confiance. Faites confiance à vos émotions et à votre créativité, à votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? Eh bien, faites-vous confiance, soyez patient. Et pour la question, c'est pas encore le bon moment. Cette carte, la prêtresse, vous indique que le moment n'est pas encore venu. Belle guidance, n'est-ce pas? Bon message aussi. Je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Confiance. Aujourd'hui, j'ai pigé confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Waouh, quel beau message des anges, n'est-ce pas? Magnifique message. Eh bien voilà, sur ce beau message des anges, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse et je vous dis à demain.